oui. Bien, on va venir ici. Il y a quelqu'un qui veut me passer, il y a une entrevue là. Ouais. On a une entrevue live. OK. OK. Ça peut, c'est il va pogner là, okay? Non, okay. Lui, il va prendre un petit peu, peut-être. OK, viens ici, on, viens ici. Après, tu fais la vidéo. Ouais. Ici, viens ici, viens ici. Ouais, explique-nous ça, là. OK, je vais vous poser. Mais, là, tu vas m'expliquer que lui, il fait son vidéo et tout ça. OK, explique-moi. Tu montes juste quand ça roule. Attention. Ça roule, t'es un petit peu vieux pour la pêche. Je ramasse les trois, mais j'ai pas le choix. OK, c'est bon. On va se coller, OK. Dis-moi les ça. Je commence tac comme ça, je te pose la question. Je commence tac comme ça. Quand tu veux, Guy. Bonjour Guy Jaudoin. Bonsoir, vous allez bien? Très bien, je vais avoir quelques questions à vous poser. Je suis en entrevue en ce moment. Premièrement, ça, quel a été le plus gros changement de dans sucré salé? Est-ce qu'il y en a eu un premièrement? Ben, je pense que c'est l'âge, hein? Ça fait 10 ans, fait que j'ai eu des petits cheveux blancs qui se sont greffés à mon cerveau. Okay. Mais sinon, je te dirais que je suis un petit peu plus à l'aise maintenant quand je fais des entrevues. Okay. Puis il y a beaucoup de choses qui ont changé. Hein? Beaucoup de choses comme anciennement on faisait des défis, maintenant on fait des topo vintage. Alors plein de petites choses comme ça qui ont changé. OK. Là, j'ai encore posé une question à propos du sucré salé. Ça fait quoi d'animer une émission depuis 10 ans? Ça fait quoi d'animer une émission depuis 10 ans? Bien, c'est vraiment... C'est particulier parce que la première fois que j'ai commencé à sucré salé, ils m'ont dit « Tu vas être là pour un été. » Mais finalement, ça fait 10 ans qu'on est là. Ce qui est particulier, c'est qu'on revoit les mêmes personnes des fois. Je peux revoir Marie-Mé, par exemple, Rémi Girard pour venir, Marcel Leboeuf. Donc, pour moi, ça devient comme des amis. Donc, ça, c'est particulier. Et moi, mon métier, quand je vais être plus vieux, c'est de devenir comédien. Je suis animateur de télévision, comédien. Avez-vous un truc à me donner? Bien sûr. Okay. Le meilleur truc que je peux te donner, c'est de garder un beau sourire. Hein, tu l'as déjà, ça va bien. Et de bien écouter. Quand quelqu'un te répond quelque chose, de bien écouter pour pouvoir relancer après sur ce que la personne vient de te dire. Mais Mais j'ai une petite question pour toi. C'est bon. Premièrement, quel est ton nom? Louis Félix. Et tu viens de quel endroit? 5 et 5. C'est là, hein? Ceux qui se demandent, c'est où? C'est là. Et qu'est-ce que t'aimes de Pascal Picard? Qu'est-ce que j'aime, c'est que les Québécois, on chante des tunes en anglais. C'est pas toutes les chanteuses qui font ça. Puis, des fois, j'écoute sa musique et calme, fait que ça me relaxe. Parce que moi, j'aime ça faire des jokes à mes amis. Continue à parler. OK, good. Alors, j'aime beaucoup dire des jokes à mes amis, mais en écoutant du Pascal Picard, ça me fait relaxer. Ah! Merci beaucoup! C'était très bon! Félicitations! Excellent ça! Es-tu content? Oui! Tu as eu ce que tu voulais? Oui, bravo, oui!